sera levé, quand les draps seront lavés, quand les oiseaux envolés des rues où l'on s'est aimé, il ne restera rien de nous. Bah, la rencontre, elle date de l'année dernière, quand on s'était rencontrés pour un événement du Parisien. On avait une espèce d'interview croisée avec Michel. Il était en train de boucler donc, son nouveau roman, J'ai dû rêver trop fort. Et en gros, il avait écrit un texte en rapport avec l'histoire qui se passe dans le roman. Et il voulait que je fasse la musique et l'interpréter, pourquoi pas. Donc j'ai trouvé l'idée super originale. Une part de ton regard. Essayer de faire comme si c'était ma chanson à moi, essayer de faire une musique qui me ressemble et en même temps qui serve le texte qu'il avait écrit, qui ait de l'émotion, à la fois de la mélancolie, mais que ce soit un peu lumineux aussi. C'était hyper sympa parce que la journée de studio où on a vraiment commencé à empiler tous les éléments de la chanson, Michel était là, donc voilà, on a peaufiné les 2-3 mots de texte, et il donnait aussi son avis sur les couleurs musicales, sur l'ensemble de la chanson, donc c'était vraiment chouette, c'était une vraie collaboration, on échangeait vraiment, et c'est une vraie chanson qu'on a faite à deux. On se fait une petite écoute. Allez. J'espère surtout que les gens qui auront lu le bouquin et qui découvriront la chanson après trouveront ça fidèle en tout cas. Si jamais c'est raccord, c'est qu'on aura fait une belle collaboration. Un peu de toi.